Bonjour et bienvenue dans la très belle salle de double jeu à Portet-sur-Garonne à côté de Toulouse. Aujourd'hui, nous allons installer le Pullshot Video System sur une table de billard américain. C'est la première installation en France sur une table de 9 pieds. Tout d'abord, nous retournons les lampes du luminaire pour dégager l'espace entre le projecteur et la surface de la table. Des pièces imprimées en 3D assurent le maintien des lampes inversées. Nous allons installer un support de vidéoprojecteur qui a été conçu pour être facilement démontable et transportable. C'est la solution idéale pour les clubs et les salles de billard qui souhaitent s'équiper mais qui ne peuvent pas monter de vidéoprojecteur au plafond ou sur le mur. Le système s'adapte aux tables de 7 à 9 pieds et convient donc au blackball, au billard américain et au carambole, le billard français. Le support est constitué d'une plaque d'acier à la base, d'un poteau en profilé aluminium 80 par 80 et d'une barre horizontale à l'extrémité de laquelle sera fixé le vidéoprojecteur. Le poteau vertical est en trois parties et permet de positionner le projecteur à la hauteur nécessaire pour un affichage sur la totalité de la surface de jeu. Pour une table de 7 pieds, on utiliserait seulement la partie basse et la partie haute du poteau sans la partie intermédiaire. Les parties du poteau sont jointes à l'aide de plaques d'aluminium en forme de U et d'une épaisseur de 3 mm. Ces plaques sont vissées sur le profilet alu. C'est une fixation angulaire réglable située à l'extrémité de la barre horizontale qui permettra d'ajuster l'angle de projection. Le projecteur est monté sur une plaque imprimée en 3D qui s'adapte parfaitement au profilet alu de 40 par 40. Le projecteur est un BenQ TH671ST. Un adaptateur Miracast Wi-Fi de la marque EasyCast est connecté sur l'entrée HDMI du projecteur. Le projecteur est alimenté en 220 volts par un câble qui est maintenu sur le profilé grâce à une petite pièce imprimée 3D. Une barre de sécurité est montée à la base du poteau et nous pouvons maintenant relever l'ensemble. Le support est placé à 1,50 m de la table au niveau de la poche centrale. Une tablette Android est placée sur le poteau, c'est elle qui enverra les images des exercices au vidéoprojecteur. Un smartphone nous permettra de piloter à distance une caméra placée en haut du poteau. Tous les appareils sont alimentés grâce à une multiprise secteur avec connecteur USB placé à l'arrière du poteau. C'est le moment de mettre en marche le vidéoprojecteur avec sa télécommande. L'application EasyCast assure la liaison Wi-Fi entre la tablette et le projecteur. Nous pouvons lancer l'application Pullshot Academy 1 et sélectionner notre premier exercice. C'est l'exercice numéro 6 qui sera joué par Franck et Mohamed. Dans cet exercice de contrôle de puissance, chaque joueur doit envoyer ses billes dans la surface de but de l'adversaire. À la fin de la partie, un point sera marqué par bille qui sera resté sur la surface de but. Bravo à nos deux joueurs qui ont réussi un sans faute. Franck va maintenant exécuter l'exercice numéro 213. Il doit empocher une bille et se replacer par deux bandes dans la zone idéale pour jouer la bille 8. La zone idéale de replacement est clairement indiquée par sa couleur grise. Et c'est au tour de Priscille et Elia de réaliser l'exercice numéro 5. C'est un jeu de contrôle de puissance de tir. La bille doit s'arrêter sur une planète en une ou deux traversées de la surface de jeu. Pour le plaisir, cet exercice se pratique à deux joueurs simultanément. Et bravo à Priscille qui remporte cette partie 4 à 2. Nous passons à l'exercice numéro 70. C'est Mohamed qui va l'exécuter. Il doit empocher une bille et grâce au rejet naturel, la blanche va venir par deux bandes dans la zone de replacement.
Dans cet exercice, la puissance de tir doit être ajustée pour que la blanche s'arrête à l'intérieur de la zone idéale pour ensuite pouvoir jouer la 8 facilement. L'exercice numéro 8 est destiné aux débutants pour les initier à la visée. C'est une partie entre Elia et Willem. Ils doivent jouer à tour de rôle et empocher chacune de leurs billes comme indiqué par l'image projetée sur la table. C'est Delphine qui va réaliser l'exercice numéro 150. Il s'agit d'un exercice de l'examen du diplôme fédéral d'aptitude billard d'argent de la Fédération française de billard. C'est une situation du jeu de la neuf. Les billes doivent être empochées dans l'ordre de leur numérotation. L'application Pullshot Academy 1 est composée de 247 exercices. Nous allons maintenant voir quelques exercices de l'application Pullshot Academy 2 qui est composée de 250 exercices. Et c'est Franck et Mohamed qui vont exécuter l'exercice numéro 43. Ils doivent empocher une bille et se replacer sur la 8. Ils doivent réaliser un tir avec une attaque haute et un effet latéral qui permettra à la blanche d'atteindre la zone de replacement. C'est à Delphine de réaliser l'exercice numéro 71. Elle doit empocher une bille et se replacer par 3 bandes. Cet exercice ne pose pas de difficulté à cette championne de France de billard américain. Et c'est à moi d'exécuter l'exercice numéro 98. Je dois empocher une bille et me replacer sur la 8. Pour réussir ce coup, je dois faire un tir avec une attaque basse afin d'appliquer un effet rétro à la bille blanche qui va pouvoir ainsi revenir en arrière et éviter les billes obstacles. Franck et Mohamed réalisent l'exercice numéro 136. C'est un exercice inspiré d'une vidéo de Ralph Eckert, champion du monde de 14-1. L'objectif de cet exercice est d'empocher une bille et de faire venir la bille blanche dans la zone verte au centre de la table. Et c'est Mohamed qui va exécuter un trick shot du programme officiel du championnat du monde de billard artistique. C'est l'exercice numéro 7 de l'application Pullshot 120 Trick Shot. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous faut pour installer le Pullshot Video System dans votre club de billard ou votre salle commerciale. Le matériel nécessaire comprend un vidéoprojecteur courte focale, la courte focale est obligatoire, comme par exemple le BenQ TH-660-T11ST ou l'Optoma GT-1080E, un adaptateur Wi-Fi HDMI de type Chromecast ou EasyCast, une tablette Android de 8 à 10 pouces avec 64 Go. Les applications disponibles sont Pullshot Academy 1 avec 247 exercices ou jeux pour tout niveau, Pullshot Academy 2 avec 250 exercices de niveau 2, Pullshot 120 Trickshot, les 120 graphiques de tout le programme du championnat du monde de billard artistique, Pullshot Billard and Golf, un jeu avec 18 situations avec un tableau de marque, Pullshot Carom Game, c'est un jeu de carambole qui peut se pratiquer sur table de billard à poche. Vous pouvez télécharger les applications sur le site web www.pullshot.org. N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'informations supplémentaires. Et vous êtes les bienvenus à la salle de double jeu à Portée-sur-Garonne. Pour venir jouer avec ce nouvel équipement, vous pourrez choisir entre la table de Black Ball et la table de billard américain. Toutes les deux sont équipées avec la vidéoprojection. Je voudrais remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet, Delphine, Sylvain, Yves, Alexandre et Willem. Et aussi ceux qui ont participé à cette vidéo, Mohamed, Franck, Priscille et Elia. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube de Pullshot.org.